Cette Eucharistie montre que nous aussi, nous souffrons avec nos frères et sœurs qui souffrent. Quand l'amour du pouvoir cède au pouvoir de l'amour, le monde connaît la paix. Pour que le monde connaisse la paix, pour que notre pays connaisse la paix, il faut que l'amour du pouvoir cède au pouvoir de l'amour. Aujourd'hui, nous venons demander au Christ de notre Seigneur de révéler à nous le sens des responsabilités. Nous sommes responsables les uns les autres. Et un jour, le Seigneur demandera à chacun de nous où est ton frère, où est ta sœur. Et nous savons comment Caïn avait répondu : je ne sais pas. Nous formons un seul corps. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à être solidaires. Nous sommes condamnés à vivre dans l'amour. Et le véritable amour nous invite à nous oublier. Le véritable amour nous invite à vivre dans la justice. Nous les portons dans nos cœurs. Nous prions pour eux. Que le Seigneur qui nous aime nous rappelle toujours que la souffrance, nous devons la combattre. La misère, nous devons la combattre. Mais surtout, quand c'est une souffrance provoquée, voulue, entretenue, que chacun de nous se situe devant le Seigneur pour voir s'il est un vrai frère, une vraie sœur ou simplement un prêtre. Restons solidaires avec nos frères. Restons confiants dans le Seigneur. Que lui-même nous remplisse de la vraie charité qui me pousse à pleurer avec ceux qui à ne pas trouver sommeil pendant que mes frères et sœurs sont dehors, sont embrassés. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix, accorde la paix à chacun de nous, accorde la paix à nos familles, accorde la paix à nos frères et sœurs qui sont à l'Est et à notre pays. Nous prenons la parole en nom de vos frères congolais de l'Est de la République. Ils souffrent, ils sont persécutés, ils sont chassés de leur terre, ils sont décapités nuit et jour. Nous prenons cette parole spécialement pour dire merci, un grand merci au Président de la Boucap qui, depuis que nous nous battons pour que la paix revienne des chevaux à l'Est de la République, sont avec nous et nous accompagnent tout le temps. Une question
tous ici présents, au nom du directoire de l'ANUCA, je dis un grand merci à l'ami Katawa et lui demande de transmettre le remerciement, je me suis fait une bonne parole, de l'ANUCA à l'endroit du cardinal pour le souci qu'il fait pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Je dis aussi en mon nom personnel un grand merci à tout le directoire de l'ANUCA qui a pris cette initiative de manifester la solidarité à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Et à vous tous qui êtes venus ici présents à cette messe, je vous dis un grand merci pour la prière et pour la solidarité à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Ils sont nos frères, ceux qui les touchent, nous touchent aussi, nous sommes de cœur avec eux. Merci. Encouragement de voir que le problème qui touche l'Est touche également Kinshasa, touche Lubumbashi, touche Mbujimayi, touche l'Équateur. Je suis fier de cette solidarité nationale congolaise. En tant que Sénafa de Beni, nous sommes très fiers de cette solidarité qui vient de se manifester encore aujourd'hui. On est un Congolais et quand le président Lamuka, le président Fayulu et le président de Lamuka s'associent aux Sénafa de Beni pour pleurer ensemble, ça nous réjouit et ça nous donne de la joie. Nous croyons encore que c'est possible, un Congo émergent est possible. Cette messe d'action de grâce, ça a permis à ce que nous puissions penser à nos frères et sœurs de l'Est. Ce qui nous a tiqué, c'est l'homélie de l'abbé Curé. J'ai retenu trois éléments importants. Le premier élément, l'amour. S'il y a l'amour entre nous, ce qui arrive à l'Est, ça ne peut pas arriver. On voit les règlements de comptes, la jalousie, ça ne peut pas arriver entre même nous les leaders politiques. S'il y a la justice dans notre pays et nous voulons avoir la vraie justice entre nous les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la justice de Dieu qui va arriver un jour. Et pour qu'il n'y arrive pas, il faut éviter les injustices. Comme ce que nous vivons maintenant avec les pouvoirs en place. On sent les injustices. On sent les règlements des comptes. Ça, ce n'est pas bon.